Alors bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons parler phishing et hameçonnage et comment on peut voler des données, hein, les récupérer avec par exemple un identifiant et un mot de passe de boîte aux lettres. Donc si en général ça va arriver par courriel. Donc bon, vous voyez, si je vais sur ma boîte aux lettres, ici j'ai reçu un mail. Comme quoi, on me demande, on me prévient, un site très officiel, hein, on récupère, vous voyez, une liste de diffusion à toutes les écoles. Donc chaque enseignant qui est abonné à cette liste va recevoir un courriel. Et on vous prévient que vous avez reçu, par exemple, deux messages, vous donnant des précisions à la date, l'heure. Et on vous invite à vous connecter à votre boîte e-prof en utilisant le lien suivant. Alors si vous faites confiance aveuglément à ce mail, puisque l'entête c'est avertissement e-prof, hein, etc., eh bien vous pouvez cliquer rapidement sans faire attention. Si vous voyez, si je passe ma souris sur ce site et que on regarde un peu ce qui se passe, eh bien vous voyez qu'en bas apparaît ici une adresse, hein, intra-ac-poitiers. Wisite.com, mysite. On voit très bien que cette extension .com, hein, ne peut pas être un site académique, hein. Donc c'est forcément un site frauduleux. Voilà. Donc je vous invite à faire preuve de méfiance. Et puis également d'être prudent quand vous recevez un email, parce que quand vous cliquez sur le lien et que vous renseignez votre identifiant et votre mot de passe, eh bien le site a carrément les clés de votre maison et peut pénétrer eh bien dans votre boîte aux lettres et récupérer vos données. Donc méfiance et prudence. À bientôt pour un autre tuto.